Luc, tu m'avais dit que tu n'étais pas favori. Non, mais bon. Daniel, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un peu. On était quatre. Après, bon, Daniel, il cassait la chaîne au premier tour. Ouais, ça, on a vu, oui. Donc, après, je me retourne avec Audric. Ouais. Et, il me faisait mal dans les parties techniques, là. Ouais. Il me mettait 20 mètres chaque fois à la sortie du bois. Ouais. Et bon, après, sur la partie un peu plus roulante, j'ai réussi à prendre les devants et puis à conserver jusqu'au bout. Mais donc, il n'a pas eu de problème technique, hein? C'est à la pédale, hein? Non, Audric, non, il n'a pas eu de problème. Ah, d'accord. Il a couru hier, donc il en avait hier. Ok, d'accord, donc c'est vraiment à la pédale, quoi. Ouais, ouais. Non, mais une fois que Daniel n'était plus là, bon, tout était possible après. D'accord. Mais un beau circuit, moi j'ai vraiment pris du plaisir aujourd'hui. Dans le bois, que des parties techniques avec des relâches et tout. Impeccable. Puis bon, j'avais des supporters aujourd'hui, alors. T'avais des supporters? Ouais. C'est qui? C'est qui le supporter? C'est Rémi, Mélanie. Alors Rémi. Regarde. Voilà. Eh bien voilà. Voilà. Donc papa il a gagné aujourd'hui. Voilà. Bravo. Bravo Jean-Luc. Merci d'avoir organisé ce cyclocross. Pas de problème. On est là pour ça. Voilà. On va regarder le national la semaine prochaine. Voilà, ouais. Hein? Okay. Allez, salut Jean-Luc. Ciao. Ouais.